Mais c'était donc ça le détail qui me manquait. J'aurais dû le deviner. Et voilà, c'est reparti à fond les manettes dans le coloriage compulsif. Il faut que je t'explique. Je suis sur le point d'achever une étude scientifique majeure de la plus haute importance. C'est un vrai travail de titan. Je recense les caractéristiques de l'homme parfait. Quand j'aurai terminé, j'en ferai un livre qui sera lu dans le monde entier. Tout le monde s'en fiche de tes grands singes sans poils. L'homme fait parfois preuve d'une intelligence extrêmement insoupçonnée. Moi, vraiment, des fois, il m'étonne. Allez, pousse-toi, reste pas devant la télé, c'est mon épisode préféré où le héros y tombe et après il cherche. Un petit air de famille. Svetlana, Benny, je vous présente mon neveu, Jordi. Il restera 2 semaines parmi nous. Ah tiens, l'équipage est sur le pont. C'est l'occasion parfaite de les observer en groupe. C'est qui celui-là? C'est un nouveau spécimen incroyable. C'est pas qu'il a l'air beaucoup plus évolué que les autres, mais attends, il a un truc en plus. Il a quelque chose dans le regard, je sais pas, je trouve. Velours auriculaire hyper développé, ça c'est sympa. Eh bien, il est peut-être pas complètement abruti. C'est le spécimen idéal pour valider mes théories, c'est génial. Tout le monde croit qu'ils ont pas de cervelle. Eh ben, je vais t'apporter la preuve scientifique que l'homme n'est pas un crétin complet. Alors ça, c'est une super salle de jeu, tu vas t'éclater. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux avec du fromage. Mais tu les manges pas, hein, c'est parce qu'après t'auras plus faim. Allez, amuse-toi bien. Faut vraiment que je sois ton pote pour te suivre. Tu fais bien, cette démonstration va révolutionner le monde scientifique. Je suis tombé sur un sujet extra super. Et là, regarde, c'est pas de la faculté d'adaptation, ça? Il s'est tout de suite construit un nid, c'est mignon. Hein? Il joue avec le fromage, voilà ce qu'il fait. On joue pas avec la nourriture. Ah! Ouais! C'est encore un peu primitif, mais c'est déjà de l'intelligence. Ah ouais. Construire son nid ici, ça, c'est de la pure intelligence. Bien, c'est très sympa, ça, c'est vraiment très gentil. Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? C'est pas mon pote, c'est pas mon pote. Ouah, wow, j'y crois pas. Je crois qu'il veut nous parler. C'est encore un peu primitif, mais il commence quand même à coordonner ses gestes, hein. C'est encore une preuve de ce que j'avance. Ouais, droit dans le pylône. Mais c'est dangereux ça! Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce truc? C'est chaud, mon équipe scientifique, c'est chaud, tu as laissé ta rate board, hein? Hein? Oh, c'est dingue! Hé, tonton, tu vas pas me croire! Eh ben, il y a 2 rats à bord, des rats qui pilotent des engins supersoniques, ils foncent à toute vitesse en prenant des notes au stylo plume sur des carnets avec des spirales! Jordi, c'est une excellente chose que d'avoir l'imagination fertile, mais il faut savoir raison garder et ne pas dire n'importe quoi. Retourne dans ta cabine et apprends plutôt à faire des nœuds marins. Et même quand j'ai failli en attraper un. Ça, c'est encore trop jeune, faut que ça mûrisse un peu. Que c'est que je vais pouvoir me manger? Oh ben oui, mais bien sûr, c'est toi. Mais oui, c'est toi que je veux prendre, mais oui. Non, rapido, je ne peux pas cuisiner pour toi. Tu vois pas que je suis en train de bosser?
Oh. Le fromage de Troie. Mais allez, vas-y, tu peux me le cuisiner, s'il te plaît. Écoute, je t'aime bien, t'es mon pote, t'es mignon, t'es sympa, mais je vais pas t'épouser. Je suis pas ta boniche. Allez, vas-y, s'il te plaît, on va se régaler. Allez, allez, une petite fondue. Je viens de te dire que j'ai du travail. Ah, vas-y, alors une raclette. Bon, une tarte. Mais va te cuisiner ce que tu veux à la cuisine, dégage. Hein? Là, il verra bien que j'ai pas menti. Et en plus, je vais lui emmener aussi plein de preuves. Bon, et puis ça aussi, un dessin de mon tonton. Oh là là, ma planche anatomique, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prendre ma lampe, mon fauteuil, ma télé. Mon dessin du capitaine sous la douche. Il n'aurait jamais dû toucher à ma robe de chambre en croco. En plus, c'était un cadeau que je t'avais fait pour tes 18 ans. C'est incroyable, ça. Tonton, j'ai des preuves pour les rats. Bon, passe-moi les commandes maintenant. Tais-toi et serre-toi fort contre moi. Oui. Non, lâchez ça tout de suite, espèce de rat mutant. Bon, d'accord, c'est la pause fromage. Il me reste plein de preuves. Tonton! Jordi, ça fait 20 minutes que la cloche du repas a sonné. Les rats supersoniques, j'ai la preuve qu'ils existent. Comme tu me croyais pas, je les ai suivis dans leur appartement. Regarde, c'est des trucs de rats. Ils sont civilisés, les rats. Jordi, qu'un futur marin joue à la dinette, éventuellement, pourquoi pas. Mais je ne tolérerai jamais que l'on mente sur mon navire. Non mais regarde, il est en train de vendre nos meubles. Mais tonton, j'ai une autre preuve. Quoi? Des poupées? Regarde. Alors, qui c'est qu'on dirait? Il te dessine bien les rats, hein? La plaisanterie a assez duré. Alors que tu sois le fils de la fille de Marie-Charlotte, ça m'est égal. Allez, viens avec moi, toi. Vite, on va récupérer nos affaires. Ben, c'est bizarre, ils les ont rangés dans du jus. Il va falloir que tu les sèches un petit peu. Mes croquis du capitaine sous la douche. Jouet de corvée de lessivage, ordre du capitaine. Il faut que tu frottes, tu frottes. Tu as entendu Benny? Frotte, frotte. Oui, frotte, frotte, frotte. Ouais, j'ai compris, je frotte, je frotte. Il faut savoir être un peu sévère. Ça forge le caractère. Il est dangereux, le nouvel humain. Vaut mieux qu'il soit toujours occupé, en fait. Un canon à guano. Alors là, vieux, bravo, c'est génial. Sur quel bouton j'appuie déjà? Ah oui, celui-là. Tu as fini ici, tu vas nettoyer là-bas. Bon là, et puis ici aussi, faut nettoyer, hein. Mmh.
Attends, j'ai plus sur quel bouton. C'est quel bouton déjà? C'est celui-là. Attends, non, c'est pas... Si, c'est celui-là, attends. Oh là là, je n'aime pas les voir déprimés. Il faut faire quelque chose. Tu as raison, on ne peut pas les laisser dans cet état. J'ai une idée. Et hop, j'ai trouvé la solution là-dedans. Capitaine, capitaine, ça vous ferait plaisir que je vous lise votre horoscope chinois? Non? Si? Alors, je regarde. Vous êtes bien né en 1937, non? 1932, ça, c'est l'année du cafard, c'est pas ça. 1933, c'est le cheval. 1935, c'est le cochon. 1936, non, non, non. Oh, ça y est, c'est 1937! Mais pourquoi tu fabriques un ascenseur pour monter en haut de la cheminée? On a des ras-de-bord. Ça pollue trop. Il est temps de passer à des moyens de transport plus écologiques. Ah, c'est fou, vas-y, ça m'intéresse, continue. Oh, vas-y! Fiche-moi la paix! Ah, d'accord, la bagarre! En garde, ville maintenant! Mon tournevis! Console-toi! De toute façon, ça sert à rien, puis il est plus joli comme ça! Bah, vas-y, amuse-toi, j'en ai plein d'autres! Il faut que je lui donne un petit coup de main quand même! Hé, hey, rapido! Qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète, ça, c'est juste la rapido touch! Vous êtes né l'année du rat! Le rat possède une intelligence et un courage exemplaire. Il a l'âme d'un chef, d'un aventurier. C'est exactement vous, ça, capitaine, hein? Un chef et un aventurier qui aime le fromage en plus. Oh, oui, mais c'est mon portrait craché. Je suis un rat. Mon Dieu, je saigne du thé. Ah, c'est un rat. Écartez-vous, je vais l'exploser. Mais qu'est-ce que vous alliez faire? Bah quoi, j'allais lui agrafer les dents sur le livre. Non, 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 Bin, il faut pas faire ça. C'est mon signe astrologique chinois, vous n'allez pas écraser mon signe. Mais regardez-le, mon signe dans un lac de thé, quelle chance j'ai. Nage, mon petit bonhomme, mange. Écrase ce rat, fais-le avant qu'il soit trop tard. Dans une minute. Cet animal sera notre nouvelle mascotte. Trop tard. Allez, viens, mon petit Rasta. Viens avec ton petit capitaine. Il va te montrer ta nouvelle cabine. Oh non! Ils ont capturé Rapido. Vite, il faut que je vole à son secours. Tu verras, mon garçon. Toi et moi, on va être les meilleurs amis du monde. Et devine quoi? Je te réserve une petite surprise. Rien que pour toi. Regarde un peu, je te laisse admirer toute nouvelle maison. Vas-y, entre, allez, fais comme chez toi. Installe-toi. Oh, c'est trop cool ici, c'est la maison de mes rêves. Mais qu'est-ce que je dis, c'est un palace. J'adore. Wow, y a même un petit nounours pour moi, pour me cajoler. Un tac tac tac. Il y a même une sonnette. Il y a même des toilettes. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi trouvé une jolie petite camarade pour te tenir compagnie. Une rousse. Je veux faire quelques photos de ce joli petit couple. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Venez vite, capitaine, j'ai besoin de votre aide. Ça peut pas attendre. Non, capitaine, c'est une urgence. Non, ben je vous laisse tous les deux. Mais soyez sages, je reviens tout de suite. Dans son nom miracle. Oh, la salopette. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Svetlana, elle a mangé trop de chili hier soir. On a un petit problème de plomberie. Les cabinets sont bouchés. Encore? Courage, Rapido! Je vole à ton secours! Il est pris au piège par une rousse! Rapido! Rapido!
Il m'entend pas. Hé, hey, Rapido! Non, non. T'as rien entendu, là? Mais y'a personne, t'occupe pas. T'as un regard, c'est incroyable. Rapido! Rapido! Je n'ai jamais vu une embauche aussi grosse et aussi répugnante. Hein? Saleté d'arbre. Coucou, mon ratichon. Le dîner est servi. Je comprends rien, mais il me plaît. Ah, mais ne faites pas cette tête, la bénie. Ça m'a l'air délicieux. Capitaine, je n'ai pas fait 5 années d'école hôtelière pour servir des petits fours à des rongeurs infestés de vermine. Attention à ce que vous dites quand vous parlez des rongeurs. J'ai pris une douche ce matin. Mais non, je parlais de l'autre rongeur, pas de vous. C'est pour qui, ça? Et but! Bon, d'accord, je note. 4 points pour le capitaine. Benny, passez-moi les munitions. À vos marques. Ah oui, c'est dingue, qu'est-ce qu'on rigole ici, oh. Oui, c'est dingue. Rapido, Rapido, t'es où? Non, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est horrible. Comment ils l'ont tout aplati pour en faire du papier peint, mon Dieu. Ah, les monstres. Je vais te venger, Rapido. Voici les cocktails, capitaine. Oui, lequel de vous deux va nous mâcher les pieds? On a une fuite dans la cale. C'est du lait qui crame dans le toaster. Mais alors peut-être que... Mais oui. Rapido. Tu m'entends? Rapido. Comment je me sens trop bien, là. Il m'entend pas. Si ça se trouve, il est déjà mort. Tu vas tuer, reste-moi. Il faut que j'arrive à grimper. C'est fait déjà, ça c'est bon. Oh, attends, ça manquait. Pourquoi ça? Attention, non, attends. Pourquoi ça? Embrasse-moi, Pépère, je suis là. Rase-moi, mon vieux pote, enfin je te retrouve. De quoi? J'entends rien que tu parles. Hein? Il m'entend pas? Tu es sain et sauf, je suis trop content. Moi qui pensais plus te revoir vivant. Mais qui t'a mis sous verre? Rapido, c'est... Rapido, attention derrière toi. Hein? Rapido, va-t'en vite. Cave-toi. Oh non, je peux pas voir ça. Non, oh, mais t'es tombé de ton siège. Oh. Au secours. Tiens. Qu'est-ce que je vois là? Une deuxième petite mascotte. La famille s'agrandit. Ah, il m'a pas croqué. Bon, Raz, vu que tu débarques, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Tu vois, je mène la vie de château depuis quelque temps. Il y a même des gens pour me servir. Mais alors, ils voulaient pas te tuer, c'est ça le truc? Et le papier peint où t'étais tout écrasé? Oh, ça? Des photocopies? Eh ouais! Il est complètement dingue de moi. Non, je vais faire des photocopies de ma nouvelle mascotte. Et on sourit quand on voit le rayon vert. Non, non, je le laissais pas en entier. Bon, j'ai compris, il faut réduire l'image, pas l'agrandir. Allons-y. Tiens, c'est déjà beaucoup. Alors 2, c'est plus. C'était pas une bonne idée, les coups de l'horoscope. J'ai une idée dans la tête. Et voilà le succès du jour. Pour célébrer notre toute nouvelle famille. Allez manger, mes petits. Oh, comme ils sont mignons. Et quel appétit. Ah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, capitaine. En relisant votre horoscope chinois, comme moi, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas de l'année du rat, mais plutôt de l'année du dragon, le truc qui crache des flammes. L'année du dragon? Mais comment? Mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez un peu, c'est ça le vermine. Vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais oui, vous avez raison, je ne suis tout de même pas aussi crasseux que ces deux-là. Capitaine? Oui, quoi? Votre nouvelle mascotte? Oh, quel monstre! Et en plus, ça dévore la vermine!
Vraiment? Allez, viens mon croco, attaque! Tu l'as vu? Non. Si je le réduis de 75%, ça devrait rentrer dans le... Oh, ah, j'ai une forme du tonnerre, mais quelle santé! Je m'épate moi-même! Debout là-dedans! Rien de tel qu'un peu de gymnastique le matin. Allez, on se secoue! 1, 2, 1, 2, 1. Non merci, deux, faut que je prenne des forces. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu appelles ça prendre des forces? Voilà ce que j'appelle de la dextérité. Salut, beau gosse! Toutes ces pommes de terre en tranches grillées m'ont donné une petite faim. D'abord, un petit sandwich de fromage. Ah! Pleurer, faut pas dire ça. Mais personne ne m'aime. Mais non, c'est pas vrai. Je fais rien d'autre que manger et penser à ce que je vais manger. Mais c'est pas grave. Mais moi, je te trouve très mignon. Mais regarde, moi, je mange des chips tous les jours, c'est pas grave. J'adore les chips, moi aussi, c'est mon plat préféré. Ça te dirait de te la fermer et d'aller manger des chips devant la télé avec moi? Vasmo. Regarde, les filles sont toutes folles de moi. Formidable. Ah ouais, fais voir. Mmh. Enchanté de te connaître, moi c'est Momo. Attends, mais c'est quoi cette chose immonde affalée sur ma banquette là? Vous montez à un club de gros moches ou quoi? Vas-y, laisse tomber, il est nul, vas-y, laisse tomber. Va. Ouais, bah amusez-vous bien, bande de minables. Mmh? Tu oses me traiter de minable? Pas du tout. Toi, t'es gros et moche, c'est l'autre le minable. Répète un peu, je vais te boxer. Ah ouais? Toi et moi, on va se battre. Allez, vas-y, mets-toi en garde. Tiens-moi ça. T'as de la chance qu'on me retienne, hein? Sinon, je te réduirais en miettes. Lâche-le! Ça m'amuserait bien de voir ça. Me lâche surtout pas, Rasmo. Je disais ça pour lui faire peur. Attendez, je sais comment résoudre ce problème. Ah! Dans la paix et l'amour. Et pas un combat loyal sur un ring avec des gants de boxe. Ah. D'accord, pas de problème. C'est quand tu veux. Attends, d'abord il y a l'entraînement. Ensuite le match, dans un mois par exemple. On est sympa, on te laisse une chance. Allez, salut.
Et pourquoi pas maintenant? Il me reste plus qu'un mois à vivre. Mais non! Mais arrête d'avoir peur, je vais te prendre en main, je vais t'entraîner. Tu vas devenir une bête de muse, tu vas devenir la chenille la plus grande, la plus forte, celle qui sera le mieux se battre tout ça, tu verras. Je vais me venger. Il fera moins le pied rapido sans ses dents, ça va être génial. Ah. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Allez, tous les bras ensemble. Allez, surtout ton gauche. Faites donc une pause, regardez, ça pèse au moins 5000 kilos. Ah, tu rigoleras moins au match. Ah ouais. Regarde plutôt ces muscles. 1, 3, 5, 6. Vas-y, maman, montre-lui tes muscles à toi. T'en as pas que 6, toi t'en as au moins 15. C'est vraiment pathétique. Et les pompes sur un seul doigt, t'y arrives. Allez, Momo, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Monte-lui, hein. Attends, mais il s'entraîne pour quoi, lui, en fait? C'est un numéro de cirque, c'est ça? Pas mal. Hé, rapido, qu'est-ce que tu dis de ça? Vas-y, Momo, allez, donne-toi à fond. Vas-y, travaille un peu ces abdos. Allez, gauche, droite, gauche, ton gauche. Plus vite que ça, Momo, allez. Tu peux y arriver. Allez, on pousse. Saute, plus haut. Baisse-toi, plie tes genoux. Devant, il est démarqué. Plus qu'un jour avant le match. Et demain, la grosse limace se prendra une de ses raclées. Hé, rapido, tu veux bien me lancer ce rameur sur le tas, là? C'est trop léger. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et... Tu risquerais de te froisser un muscle. Attends, rapidou, je vais t'aider. Bouge pas, tu risques de te faire mal. Oh, c'est un accident de tapette, c'est tout. Tu m'as l'air d'avoir très soif, hein. Je reviens. Merci, mon pote. Je suis désolé de t'avoir traité de gros. T'inquiète pas pour ça, c'est du passé, pas vrai? Attention, les yeux, ça va cogner. Dans quelques instants, rapido, il aura la correction qu'il mérite. Oh oui, c'est bon. Oh oui, hein? plus bas. Non, plus haut. Oh oui, Momo. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est bon. Quoi? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Je fais juste un petit massage à mon copain. Ce type a des doigts magiques. Et une seconde! Vous pouvez pas faire copain. Ce type, il t'a traité de gros. Et moi de minable en plus. Il est pas question que tu te dégonfles au dernier moment, ok? Mon honneur est en jeu, alors tu vas te battre, ok, le gros vert? Ben on a qu'à faire un match amical pour faire plaisir à Razmour. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous allez assister au match du siècle. Sur ma gauche, le méchant à battre, à détruire un jeune homme rapido. Et sur ma droite, le gentil, le doux, le sympa, le vert, le champion, Momo. Le combat va commencer. Approchez, messieurs et mesdames, que le meilleur gagne. Première round. Vas-y, démonte-le. Oh zut alors, j'ai perdu. Deuxième round. Attention à toi, je vais t'attraper. Tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Attrapez. C'est sûr que c'est n'importe quoi. Non, c'est toi, attention. J'ai gagné. Vous arrêtez, c'est complètement nul comme combat. Espèce de brute, tu lui as fait mal. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Il lui pousse des ailes, on dirait. Attends, depuis quand les limaces se transforment en papillons? C'est n'importe quoi ce combat. Mais depuis toujours, mon petit. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je file. Comme tous les papillons, je dois m'envoler. Mais toi aussi, Razmour, un jour, tu te métamorphoseras. Tu voleras vers ton destin. Allez-y.
Salut, Ramzo. Maman, reviens. Peu importe. N'empêche, tu vas voir. Un jour, moi aussi, je me métamorphoserai et je volerai vers lui. Tu me fais de la peine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adieu, rapido. Je vais rejoindre ma destinée. Je vais migrer. À moi l'aventure. Prépare-toi, Momo, j'arrive. Mais quel imbécile. Libre comme l'air. Je vais me reprendre une petite série. Ah oh, rapido, amène-moi de la crème, dépense-le, rapido. Rapido, scène 10. Première, moteur et action. Rends-toi, toute tentative de fuite est inutile. Fais ce que je te dis ou je t'éclate. Tête à claque. Tiens, Jackie, rabis-toi, t'es morte de trouille, allez. Va faire tes courses au supermarché, va te ronger les ongles dans les toilettes. Ring, salut, Jean-Claude Van Damme. Quoi? Un train fou lancé à pleine vitesse, mais tu parles d'un incapable. Mais qu'est-ce que tu ferais en vrai cas de couture? Libérez les femmes, les enfants, rapido et là. Bang, bang, bang. Je suis touché. Ce n'est qu'une blessure artificielle, quoique ça a l'air sérieux, voire même fatal. Comment se fait-ce? Tout devient sombre. Mamie, c'est toi. La mort que j'ai si souvent frôlée frappe à ma porte. Super, tu meurs de mieux en mieux, la classe. Ouais, t'as vu ça, le talent? Désolé de t'interrompre, Shakespeare, mais j'ai du travail qui m'attend, du vrai travail. Quelque chose me dit que je viens de trouver mon nouveau caméraman. Et je peux pas compter sur toi, c'est toujours moi qui me tape tout ici. Oui, c'est un manuel, il devrait pouvoir tenir une petite caméra, oui. Joyeux anniversaire, hein? Joyeux anniversaire, hein? Hein? C'est mon anniversaire? J'ai un cadeau à t'offrir. Un cadeau? Pour moi? Youhou! On s'adore les cadeaux! Voilà, voilà, petits emballages! Elle est belle, ouais, comme elle est belle! C'est génial, c'est une visseuse, des visseuses sans fil, j'en ai rêvé depuis si longtemps, ouais. Voilà! Ils en vendent dans les téléachats. Ça fait le boulot de 10 hommes en un rien de temps. Mais elle marche pas. Je suis sûr que t'as oublié de prendre les piles qui vont avec. C'est pas une visseuse, des visseuses sans fil. C'est une caméra. Sérieusement, tu trouves que ça ressemble à un outil de bricolage? C'est le top du numérique. Le plus sûr moyen d'immortaliser la star du grand écran que je suis. J'aurais préféré une visseuse, des visseuses sans fil. Hey, mais attends une minute. C'est pas mon anniversaire. Oh là, ouais, je te vois venir. Petit fripon, tu croyais m'avoir, mais y a aucun risque que je te suive dans ton délire cinématographique. Regarde bien ce que je te propose. 10 goûts d'achat si tu signes tout de suite. Même ton nom en énorme, mais pas sur l'affiche. Une limousine viendra me chercher tous les matins et toi t'iras en métro. Des masseuses pour moi, un autre t-shirt bleu pour toi. Tu signes, c'est là, en bas de la page. Tout ça Merci, rapido. C'est trop beau tout ce que tu m'offres. T'es vraiment un pote, hein. Quand je dis moteur, tu commences tout de suite à filmer. Puis je dis action et je commence à jouer. Et on dit couper dès que je sors du cadre. Couper ! Couper ? Mais on n'a même pas encore commencé. Oui, je sais, non, mais c'est parce que c'est toi qui as dit couper quand tu sors du cadre. Tout ça, c'est nouveau pour lui. Son cerveau s'embrouille apparemment. Waouh ! Ça a l'air profond, hein. C'est comme dans un tunnel tout noir. Ça fout la trouille. Hop, à droite, à gauche. Et quand est-ce qu'on voit les belles images qu'on se régale? Et c'est excitant, hein. C'est tout froid sur l'œil, c'est bizarre. Arrête de t'amuser. Tu n'es pas là pour rigoler, mais pour réaliser mon chef-d'œuvre. Bon, prépare-toi, on va tourner. Moteur et action. Ta-da-da. Quoi, super rapido. Et là, les bons et les méchants, ils ont intérêt.
Deux secondes là, c'est mon pyjama que t'as piqué. Attends, c'est le cadeau de mamie Jean-Claude en plus. En plus, t'as dessiné dessus, t'es gonflé. Bon, ça va, j'ai rien dit. Moteur et action. Aidez-moi, je vous en supplie, faites quelque chose, un horrible monstre mange ma voiture. Je vais rater la première du film de Rapido. Mais c'est une de mes chaussettes. Je suis la ménagère de moins de 50 ans. C'est incroyable, qu'est-ce que vous ressemblez à ma chaussette. T'inquiète, avec les effets spéciaux, même toi, t'y verras que du feu. Oh, Seigneur Tout-Puissant, la bête malfaisante, l'horrible monstre marin à quatre têtes est là. Oh, il s'est endormi avec ma voiture dans son gros estomac, quelle horreur, je ne peux rien faire. Personne ne peut rien faire, le seul qui pourrait m'aider, c'est Super Rapido. Ta-da ! Défenseur du faible et de l'opprimé, Super Rapido va te sauver, te rendre ton bien pour pouvoir aller voir le film de Rapido. En attendant, pas tout ce matériel. C'est moi ou c'est pas moi le caméraman? Je suis l'œil, le regard, j'ai la vision du film, je connais la mise en scène, mon pote. Alors t'es gentil, Coco, tu restes de ton côté de la caméra, tout se passera bien. Non mais, ça va pas, t'as pété un plomb là? Tu ne m'échapperas pas, diable à quatre têtes. Aïe! Et maintenant, tu vas crocher la voiture de la dame. C'est bien ça, prends l'air méchant. Il est pas mal, hein? On dirait pas que c'est du cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Vas-y, lâche-toi, c'est bien. Oui, allez, vas-y, bouge-lui. Là-haut, coupé. T'es malade, pas tout de suite. Vas-y, mets le paquet, montre que t'as mal. Coupé. T'es fou, quoi? Coupé. Tu es viré. Rends-moi cette caméra. Non, c'est un cadeau qu'un ami m'a fait. Eh bien, leur soit à la hauteur. Il y a un truc qu'il faut que tu saisisses. C'est toujours moi qui gagne. Ah ouais? Et comment tu voulais que je sache? J'ai pas la science infuse. Tu me bénis. Tiens, marrant, ça vient de me donner une idée. Une excellente idée. Mieux que ça, c'est l'idée du siècle. Bon, alors l'idée, c'est que Super Rapido doit sauver le gentil Rémi Molette, qui a eu le malheur de tomber aux mains du savant fou. Je sens que je vais le jeter à la mer avant la fin du film. Une patate, deux patates, il faut que j'aille peler les patates. Ça y est, il est parti. Le sauvetage de Rémi Molette, attention, action! Vieillissement accéléré en chambre d'irradiation, ces secondes sont comptées! Mais qu'est-ce que tu fais? Fixe pas l'objectif! Oh, l'amateur! T'as un bouton pour ouvrir, banane. Vite, sors d'ici avant qu'il soit trop tard! Mortel, les effets spéciaux! Ce soir, l'invité du cinéma cinéphile est l'un des plus grands, sinon le plus grand réalisateur d'aujourd'hui. Allez voir son film, c'est un vrai bijou du 21e siècle. Cette œuvre intense et grave, d'une immense beauté, reflète le charisme tourmenté de son réalisateur. Vous verrez, c'est un pur chef-d'œuvre. Nous sommes très honorés, maître. Vous êtes une légende. Oh, merci, c'est qu'un film. Et la star fait son entrée. Ah bien, tu tombes bien, j'en peux plus. J'ai trop mis de moi dedans. C'est plus ton film, c'est le mien. Et va falloir que tu t'accroches, Coco. Hein. Moi, je tourne pas avec des amateurs. Je vois. T'as un scénario, j'imagine. On peut le voir? Le scénar! J'allais oublier le scénar! Oui, j'en ai un. J'ai une histoire. Je vais faire le remake d'un de mes films préférés, La bataille de la montagne des bananes, avec l'acteur le plus génial de l'histoire du cinéma, King Kong. Dans son antre noyé de brume, le plus terrible ennemi que notre héros ait affronté. Je ne suis pas sûr d'être en accord avec cette nouvelle version de l'histoire. Impossible. Il prend la mesure de son terrible adversaire et réalise que l'avenir de l'humanité est entre ses mains. Il sait qu'il devra vaincre ou mourir. Vieille turbine toujours en panne, et c'est toujours Svetlana qui doit réparer. Tanana, 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 tanana.
Satané Ravolant, je déteste Ravolant. Excellent, trop bien, excellent. Tu peux toujours courir, je te mets minable quand je veux. Maman. Wow. Oh là, oui, c'était bien, fantastique. Scène du coup de grâce, action! Faut que je la tourne en super gros plan. Hé, sort de la lumière. Qui t'a laissé rentrer sur le plateau? Ah non! Non, mon fils. Ah, la claque, mamie. Eh, t'as pas filmé la claque, j'espère, hein. Eh, j'attends toujours ton coupé, là, je te signale. Votre chef-d'œuvre est fini, monsieur le réalisateur? C'est génial, de A à Z. Je dois dire que t'as été un pro. Quand est-ce qu'on le voit? Quand est-ce qu'on le voit? On le verra quand il sera fini. J'ai envoyé la pellicule à développer. Et ensuite, faudra passer au montage. Et ensuite à la télé. Ouh là là là, c'est pas aussi simple que ça le cinéma Hollywood, hein. Tu sais, va encore falloir enregistrer la musique, les bruitages, créer les effets spéciaux, morphing, coco. Qu'est-ce que c'est? Ah! Il y a quelqu'un qui a bouffé tous nos fromages. Waouh! Ce truc doit avoir des mâchoires énormes. Ah! Ça rentre pas. Ça venait de par là. C'est quoi cette espèce de rat? Il est énorme! Hé! Hey, gros lard! Mais où est-ce qu'il se croit celui-là? Hé, hey, c'est chez nous ici, hein! C'est notre fromage que t'es en train de manger, dis donc! Permettez-moi de me présenter, Ratloukoum, sérénissime gourou diplômé de la faculté d'auto-illumination. Puis-je vous proposer mes services de guide spirituel et vous aider à trouver la voie qui mène à la paix intérieure? La paix intérieure, c'est génial, ça m'intéresse. Alors, c'est parti. Faites-moi faire le tour du propriétaire. Ah, ah, oui, vous savez, je sens de très bonnes vibrations par ici. Ça serait pas plutôt ton estomac qui gargouille, hein? Ouais. Ça va, monsieur? Le Tao du rat, c'est du Tai Chi Chou, voyant. Oh, oh, oui, oui, oui! Apprends-moi, 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 apprends-moi! Seulement si tu es sérieux. Oui, promis. On aura tout vu, un prof de tachaïeuil. Ça, c'est un distributeur de fromage chaud, c'est génial! Regarde, c'est instantané. Waouh! Je me ferais bien une petite fondue. Tu veux l'inaugurer? Même Rapido, il n'a pas essayé. Ouais, puis d'abord, ça l'intéresse même pas, lui. Maintenant, recueillons-nous avant de manger ce fromage exquis. Une fois débarrassé de ces deux comiques, je m'installe ici, je décolle plus, et à moi la belle vie. Attention, c'est brûlant. Viens avec moi, allez, on fait une course de rat-board. Rapido, je t'ai déjà dit de pas faire voler ta rat-board dans le salon. Cela pollue grave et ça brouille mes chakras. Excuse-moi, mais celui qui pollue, à mon avis, c'est ce gros lard plein de bouddha, gouda, je sais pas quoi, là. Non, elle est là, comment il est mal poli. Hé, hey, Rasmo, c'est l'heure de Zen Academy.
Zen Academy. J'y vais. C'est une émission de télé-méditation. Génial, c'est plein de suspense. Reste avec nous, c'est excellent pour ton karma. Ok, moi je reste pas une minute de plus et je me casse. Mon petit Rasmo, continue tes exercices de méditation, je reviens. Bon bah y'a mon frère. Écoute-moi bien, espèce de crota. Si tu continues à la ramener, c'est moi qui vais te faire maigrir à coups de ta chihu. Et tu vas en manger de la purée, parce que tes dents, je vais les... De la purée, tu dis? Il va falloir qu'on cause tous les deux. Hé hey. Ta présence est gênante hey. Ici. Tu dégages trop de mauvaises ondes. Hey. Et tu commences sérieusement à me gonfler avec tes scèneries, toi. Hein. Je te rappelle qu'ici, c'est chez moi. Alors tu vas boucler tes valises et mettre les voiles. Bon voyage. Allez, rassure-toi, ton petit copain te rejoindra bientôt. Rasmo, au secours! Regardez-moi ce pauvre crétin, il a gobé toutes mes salades sans ticket. C'est le moment de passer à la phase 2 de l'opération. Goûtez zen. Ouais, génial. Oh, quel dommage que Rapido ne soit pas des nôtres. Mais je vais le chercher. Trop tard, il est parti. Comment parti? Il s'est envolé tout là-haut vers son destin. Parti? Il a vu la lumière. Il a entrepris un voyage spirituel. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il partait sur les traces de Claude François ou d'Elvis Presley. Je ne sais plus lequel de ces deux peintres. Je connais Rapido. Il a sûrement une idée derrière la tête. Il doit vouloir sa photo avec Elvis ou Clo-Clo. Oui, c'est ça. Il veut que tu le retrouves là-bas. C'est vrai? Absolument. Il m'a dit, demande à Rasmo de me retrouver sur le pont devant la montagne magique. Oui. Hein? Mais c'est où la montagne magique? Marche vers l'ouest pendant à peu près 2000 km. Et une fois arrivé en Belgique, tu prends sur ta droite. En Belgique? Rappelle-toi les paroles de Gandhi Raton. La marche à pied, c'est bon pour la méditation. À condition d'avoir le bonne chaussure. Ah bah ouais, si Gandhi Raton il l'a dit, ça c'est sûr qu'il faut... Bon bah c'est par là, c'est vers... C'est bizarre quand même. C'est ça, tire-toi, il ne revient pas couvrant, d'où il est bon débarras. Voyons, 2000 km en marchant à 3 km à l'heure et en m'arrêtant pour manger, dormir et aller aux toilettes, j'en ai au moins pour 2 ans si je marche bien. Mais attends, mais j'y pense. Mais attends, mais en ras-de-bord, je vais super vite, je vais comme ça, je vais... Comment je suis intelligent. Une malle bougeante qui bouge? À nous deux, espèce de gros lard! Bah qu'est-ce que tu fais là, Rapido? T'étais pas parti pour la montagne magique du Yeti? La montagne magique? Oh là là, j'adore le film! Attends, j'y crois pas, non mais... Attends, il m'a fait ça à moi? J'ai failli aller en Belgique à cause de... Attends, un gros rat comme ça qui me prend pour un imbécile, c'est ça? J'ai une petite faim, moi. Oh zut, elle est vide. Oh mais je suis bête, il y en a plein la colle. Un gougou, un gouda pour mon estomac qui a faim. Regarde-le-moi en jupe si flottante là. Il se croit chez lui, alors ça y est, c'est parti, c'est la fête. Il va pas dans le bon côté qu'on a dit. T'inquiète pas, Rasmo a tout prévu. Youhou, je suis pas passé loin. On l'a eu. Ouais, on est les champions. Allez vite, on passe à la suite. La grosse tome de mes rêves. Moi qui t'attendais depuis si longtemps, je t'ai enfin trouvé, mon amour. Ça pèse rien du tout, y'a plus qu'un croûte.
J'ai faim, miam miam. Je suis le grand méchant fantôme des fromages. J'ai de la moutarde, j'ai du fromage, mais j'ai pas de gras. C'est sûrement mon esprit qui me joue des tours. Ça m'étonne pas du tout qu'il ait adoré ce mec-là, il aimait que les trucs pourris comme lui. Attends, j'y suis pour rien, si Loukoum il a aimé ma machine, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Ouais, te fatigue pas, ta machine elle est nulle, Loukoum il est nul, et toi t'es nul, point à la ligne. Je vais t'en coller une, je pense. J'ai plus qu'à la ranger. Oh, Grigor Grigorovitch, amour de ma vie. Qu'est-ce que je m'ennuie. S'il vous plaît, donnez-moi une activité, quelque chose à faire. On fait mumuse à la baballe. Tu fais une partie avec moi, petit? Laisse-moi. Va-t'en. Je le connais, je déteste quand il est comme ça. Il est lourd quand il s'ennuie. Bon, j'en étais au moins. Mesdames et messieurs, Razmo, le tueur de quillolette vache, va frapper. Concentre-toi. Tiens pas la boule avec toute ta main. Trois doigts, ça suffit. Et c'est pas un éléphant dans un couloir que tu vises, ok? Alors rate pas la piste. Concentre-toi et lance la boule. Hé, hey, t'as pensé si tu touches toutes les boules de fromage d'un coup? Peut-être que c'est un strike fromager. Bulletin météo spécial, attention, attention, avis de rat de marée de force 10, je répète, avis de rat de marée de force 10, une lame de fond gigantesque traverse actuellement la mer de Corail en direction de l'Est. Une lame de fond? J'aurais dû lire mon horoscope ce matin. Accrochez-vous, ça va secouer. Oh oui, je sens la force. Ah, tu trembles trop, on dirait une vieille machine à laver. Je répète,
tempête, avis de ras de marée en mer de corail. Tous les navires rentrent au port. Bonne idée, je l'ai dit, ça ne va pas être simple. Ma vaisselle. C'est bizarre, j'ai beaucoup de sang dans les oreilles. Ben moi, j'ai l'estomac et tout dans le tympan gauche. C'est quand même bizarre, on marche au plafond. Hé, viens voir. Il y a des poissons dans le ciel, cuit, cuit, cuit. Sauf que ces poissons ne volent pas, ils nagent. La terre s'est enfoncée sous la mer. On vit une époque vraiment formidable, quel progrès. Attends, stop, on arrête le délire, il y a un problème, attends. Quand t'as de l'eau derrière un hublot, c'est que t'es dans un sous-marin. Ou alors c'est que le cargo s'est retourné. Voilà, le bas est en haut et l'eau est en bas. Et c'est pas un progrès. Si on veut, on vogue à l'envers. Ah, mais je vois pas très très bien à quoi ça sert. Mais ça permet de regarder les poissons. Regarde le gros là-bas. Carrément génial, hein, un bar de sushis géant. Bon alors, un, j'ouvre, deux, les poissons rentrent, et trois, je referme, et quatre, tout le monde y est à table. J'ouvre, et hop, je referme, comme un ours. Oh, un requin. Le sushi de requin, c'est excellent. Alors surtout que tu bouges pas, ça va un peu piquer les yeux. Tu parles d'un fichu caractère? Ah, on dirait ma belle-mère. On devrait retourner le cargo plus souvent. Je trouve ça tellement plus original. Hey, je rêve. Waouh, c'est Noël. C'est les plus beaux outils mécaniques qui brillent bleu que j'ai jamais vus. Yes, ah, yes. Et aucun signe de zut. Oh la honte, le peureux, mais non. Quelle peureuse. Bien sûr que t'es une peureuse à la honte. J'ai pas peur d'elle. Si j'avais peur, je serais pas là sous ton nez. Elle dort. Bon, d'accord, je vais te prouver qu'elle me fait pas peur. Voilà ce que je vais faire. Je lui mets deux claques, j'arrache la couverture et tombe au sol. J'aimerais bien t'y voir, je te parie tous tes fromages. Top là, ça veut déchirer grave. Niette, c'est mon jour de congé. Alors ça, c'est pas sympa. Rassemblez-vous, général. Tout le monde est sur la passerelle. Faut toujours que ce soit les jours fériés que ça tombe. T'as perdu. N'importe quoi, j'ai juste pas eu le temps de le faire. Désolé, quand même, tes gouda m'appartiennent maintenant. Tu veux rire? C'est mes fromages. Je ne... Va pas, tu vas... Oh non! C'est pas frire! Rapido, va agir, ce coup de doigt dans la cale, tous les fromages doivent être renversés! On fera venir la femme de ménage! Ah, donc ça te dérange pas que mes fromages puants dégoulinent sur tes bons bouddhas bien parfumés? Excuse-moi, parce que j'étais persuadé que ça allait déranger, donc s'il n'y a pas de problème... Viens vite! J'ai trouvé le moyen de le faire travailler. Oh, quel chantier, c'est pire que ce que je craignais. Quelle horreur. Il est contaminé, tous mes petits bébés sont crottinés, irradiés, bons à jeter. Rapido, je crois savoir ce qu'on peut faire pour ton petit problème de pollution. Tu vois tous ces goudassins que je touche avec ce camembert bien coulant? Eh ben j'accepte de les manger à ta place. Celui-ci aussi, celui-ci et cet autre. Tu devrais vite ramasser les tiens. Oui, va très vite, ne plus t'en rester. à moi aussi, à moi, ça c'est moi. Tu veux la guerre, tu l'auras. Soyons réalistes, la situation est grave. Et ça n'est rien de dire, il est clair que vous n'avez que très peu de temps pour retourner le navire. Va encore falloir que je sombre avec le navire. Laisse-moi te présenter ma part contaminée. Rassure-toi, pas mal ta part, mais regarde plutôt ma part. Là, franchement pas mal, ouais. C'est dommage qu'il y ait ce petit coulant au pied de ta montagne, ça tâche un peu. Non, pas de coulant. Tu me dis si je me trompe, mais ça retenait pas un petit peu tout.
On a du horte une baleine. Une fricassée de baleine. Bon, je remonte voir s'il y a du dégât. Oh non, mais c'est pas croyable. Quelle catastrophe. Rasmo, viens m'aider. Je t'en supplie. Je sais pas trop. Du ventilateur comme un aspirateur géant qui va expulser tous les fromages dehors, c'est génial. Si tu le fais, fais-le maintenant. C'est l'heure de passer à table. Et le sushi de requin, ça se refuse pas. Ben, il faut retourner le cargo avant. Eh ben, tant pis pour toi, je le mangerai tout seul. D'abord, le frapper et attendrir la chair. Oh, ça va être excellent. Excellent. Comment je suis super intelligent. Ça me donne envie de faire des petits sons, je sais pas pourquoi. Allez, couchez, j'ai dit. Oh, tu peux remuer ta queue, hein. Ça ne m'impressionne pas. T'es pas un requin qui va faire la loi, hein. Et voilà, toute la cargaison est sauvée grâce à moi. Vas-y, lâche-toi, petit compliment. Sur ta salopette, ouais, elle te va pas mal. Mais je préfère quand tu mets la rose. Oh, c'est drôle, ça, c'est drôle. Vous allez me récupérer toute la cargaison avant qu'elle ne coule plus vite. Béni, cessez de faire le clown. Allez plutôt aider Svetlana. À vos ordres, capitaine. Bravo, grâce à ta brillante idée, voilà où ça nous a mené. Moi, je trouve que le petit goût de sel, ça rajoute un petit goût de sel, c'est sympa. T'as raison, moi je trouve que ça les a rendus un peu plus salés. C'est dommage qu'il manque juste un peu de sel. T'as tout à fait raison, par contre je sens plus ma langue, c'est normal? Ouais, pas de problème. Pour un peu de poisson. Ah non, le fromage c'est super bon, ça j'ai jamais dit le contraire. Mais des fois j'aimerais bien manger un petit bout de poisson, ça c'est vrai. J'aime. Oh là là, oui, ça c'est sûr, je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh, il doit être énorme celui-là. Ah, ma spécialité, sushi à la grande. Par ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque? On dirait un poteau électrique sculpté. Bah en tout cas, c'est super moche. Jamais je mettrais ça dans ma cuisine. Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine? Non. En tant que matelot, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute. Nous nous en débarrasserons comme il se doit dans le prochain port. À vos ordres, capitaine! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si on descendait pour voir. Tu marches sur le nez! Oh, ce que tu peux être douillet! Attends deux secondes, je vais attraper une prise. Vas-y, prends ton temps, c'est juste mon oeil! Au secours, rapido! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît! Attends, lâche-moi, je tiens plus! Je glisse! Ça va être très dangereux!
comment c'est trop mou par terre. Très 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 intéressant. Rapido, j'ai trouvé ce que c'est. Écoute, c'est le totem de Rakanak, le dieu tiki des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan souffrira de terribles migraines toute sa vie. Mince, j'ai fait tomber mon lit. Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Oh, oh tiens. Bah alors, ça c'est la meilleure, c'est le dieu de l'océan. Mon livre. Un sushi volant. Hey, dû manger. J'ai comme un vertige dans ma tête. J'ai les oreilles qui me bourdonnent. J'entends des drôles de voix, franchement. Rapido, viens voir, il y a le totem. Il essaye de me dire des trucs. Du coup, ça me fait des vrombissements dans le ventre. Ça me fait... Dis-moi ce que tu désires, oh grand rabagrin. Contas, je jure de t'obéir. Posé au fond de l'océan des mers. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi? Le totem, il m'a parlé. Il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable. Sinon, il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudou. Comment on va faire? Pas mal, le coup du bout de bois. Viens parler avec mon poisson, maintenant. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend? Patience, petit homme. La pêche, c'est plus difficile que la cuisine. Moi, petit homme? Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage. Qu'est-ce que tu crois? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit ami de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée. Le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo! Cap sur le musée! En avant, tout! On va bientôt être riche! Alors, ça va mieux? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand Pocahontas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose là? Parce que j'attends pas grand chose. J'ai quasiment une banane. Le plein de billets. Encore et encore. Plein de petits billets. On a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi. Rapido, viens m'aider. Mais dépêche-toi, pour ça que tu fais. Vite, méditer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es sourd ou quoi? On va remettre le totem au fond de l'océan. Oh, ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder? Regarde bien, beau brin. Bon, là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant exactement? Je coule le navire. C'est très bien, en fait. Tu coules la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Hey, je peux pas couler le navire, je suis bête. Oh mais non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, billets sont sans fiche. Millions, on va bientôt être riche. Allô, le musée de l'ancien monde? Bien, nous avons en notre possession le seul et unique totem de Rakanak. Alors, préparez vos millions, on arrive. J'ai des fils de bananes plein les dents. Oh, ça y est, j'ai trouvé un truc. Quoi? Mais c'est simple, il suffit de détourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord. Étape numéro 1, déboulonner le conduit. Étape numéro 2, utiliser du chewing-gum pré-mâché pour souder les conduits entre eux. Vite, passe-moi le tien, copain. Parfait. Étape numéro 3, braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem. Étape numéro 4, lâcher la pression.
Waouh, t'as réussi à mâcher tout ça? Oh, la bulle! Faut que je trouve un truc vite! Ouais, ça y est, j'ai un truc vite! Millions, t'as fini les yeux durs! Sans vouloir t'empêcher de manger, tu me filerais pas un coup de main? J'aime pas travailler la bouche pleine. Arrête de ramer, t'attaques le plafond! Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas déçus. Parole d'Écossais, je vous en prie. Vite, vite! Aide-moi à fermer la porte! Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi. J'ai un petit peu mal. J'ai le plaisir de vous présenter Rakamak. Millions. À vue de nez, ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoraires. J'ai compté mes frais de déplacement. Ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit! Une facture de 1 250 $? Jetez-moi cette saleté par-dessus bord. Avec plaisir. Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages. Et voilà, il est parti. Au revoir mon Rakamak Yamana. Rapido, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Tu fais. Moi je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'1 kilo par minute. Il n'aura jamais fini. 14 heures minimum. Impossible avant.